Dépôt de GR par les autorités. Drapeau à droite, droite, en avant, marche, une, deux. Thank you.
souvenir du voyage, et en plus, si tu veux, avant, il y a très longtemps, sans personne s'en souvient. Il faut une bouche pour lui ou pas ? C'est moi que j'ai charlé en 94, ça va. Serre un peu, serre. Pour les ponts de repos. Garde-vous. Dépôt de gerbes par les autorités. Aux morts ! Pour drapeau, rassemblement sur deux colonnes face à moi. La police municipale vers moi. Le cortège. Mmh.
porte-drapeau. Attention pour s'arrêter. Halte. Colonne de droite de ce côté-là, colonne de gauche de ce côté-là. La colonne principale. Et serre un peu, vu que mon arc de cercle tout plein. Rassemblement sur deux colonnes face à moi.
chanson suivante. Lecture du message par Madame Georgette Boisson-Mignon, présidente du Souvenir français. Non. Dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute du silence, suivi de la Marseillaise. En fin de cérémonie, les autorités remercieront les porte-drapeaux. Je vous remercie. Ah d'accord, tant pour moi. Prise de parole de Monsieur Labreuf. Nous sommes ici pour nous souvenir et rendre hommage à des hommes qui ont donné leur vie pour défendre la France contre l'ennemi qui l'occupait. Ils furent tous victimes de la barbarie nazie. Le 3 juillet 1944, lors du combat de Portée, 6 civils et 10 maquisards furent tués par les Allemands, qui étaient en nombre bien supérieur, et plusieurs résistants se trouvèrent prisonniers et amenés dans les prisons de la caserne Bernadotte à Pau. Après les avoir torturés, le commandant allemand prit la décision le 6 juillet 1944 de passer par les armes 35 résistants. Ils furent ramenés dans cet endroit où ils furent massacrés à la mitraillette et leurs corps jetés dans 4 fosses communes préalablement préparées. Le plus jeune avait 17 ans et le plus âgé 44 ans. D'autres fusillades eurent lieu les 7 et 15 juillet. Les corps de ces maquisards furent également ensevelus dans ces fosses. En tout, ce seront 47 corps mutilés qui furent exhumés 2 mois plus tard, à la libération de Pau, les 25 et 26 août, et les honneurs leur furent rendus. Le monument érigé à l'emplacement des fosses communes rend hommage à 57 morts. Ce chiffre intègre 10 victimes retrouvées aux environs. Leurs noms rejoignent la liste des Jalangues, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Tous ces hommes du corps franc-pommier, du maquis du Béarn, de la police et des civils sont morts pour la France. Dépôt de gerbes par les autorités. Aux morts! Thank you.
pour drapeau, repos. Remerciements des autorités au porte-drapeau. Ça fait un peu plus mitard. Ouais. Sur le coup, sur le bâton. On aurait dit que c'était toi qui faisais le discours. Je ne suis plus la présidente. Ah bon, bon. Je ne suis que la déléguée générale. Alors tu sais, ça ne vaut pas mieux. C'est pas grave. Non, c'est pas très grave. C'est pas grave. On est bientôt pour le 25. Je ne suis que la déléguée. Bien, je vous ai bien passé. Merci. On est pour le drapeau. Garde-le. Rassemblement sur deux colonnes face à moi.